ça m'a fait un peu sourire l'histoire du Mickey, parce que à l'époque, les Mickey, c'était vraiment un truc anglais, on va dire, avec des deux quilles longues, et ça marchait pas du tout. Mais il y avait un truc intéressant dans l'histoire du Mickey, c'était quand même la facilité d'échouage, la facilité de stockage. C'était quand même des points qui étaient intéressants. Et c'était une époque où on commençait à faire du calcul numérique. Alors le calcul numérique, je vais vous expliquer, c'est que avant pour essayer de connaître les performances d'un bateau, on était obligé d'étirer dans des bassins de carène. C'était un peu coûteux, un peu compliqué. Là, on s'est mis à savoir faire du calcul. Et donc par calcul, on a commencé à regarder cette histoire de biquille, voir s'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose de plus performant que le biquille type anglais, quoi. Et en fait, on a vite trouvé que c'était pas du tout une voie de garage. C'était très intéressant parce que, en fait, deux quilles à fort allongement, c'est bien meilleur qu'une quille plus grande du même tirant d'eau. Et finalement, ce qui nous intéresse dans l'histoire du Biki, c'est de réduire un petit peu le tirant d'eau à un tirant d'eau moyen, on va dire. Il y avait, sur le marché, les Anglais faisaient des Biki avec très peu de tirant d'eau. Ce qui reste toujours une erreur, parce que quand vous n'avez pas de tirant d'eau, vous n'avez pas d'allongement, vous n'avez pas de finesse dans l'appendice, donc ça ne remonte pas vraiment bien au vent, quoi. Par contre, le fait de comparer à même tirant d'eau un monoki et un biki, ben, il s'est avéré que c'était très intéressant, parce que le biki finalement avait des performances plutôt meilleures. Pour une bonne raison, c'est que quand le bateau gîte, la quille sous le vent se met à avoir plus de tirant d'eau, alors qu'en monoki, la quille sous le vent se met à avoir moins de tirant d'eau. Et ça, ça fait une grosse différence, c'est qu'en final, à la gîte, un monoki, un biki va, mettons 1m60, va avoir la même efficacité qu'un monoki d'1m90 à la gîte. Alors évidemment, il tire un petit peu plus d'eau, parce qu'il y a plus de surface mouillée, etc. Mais en fait, globalement, si on regarde un bateau, ça va toujours vite au portant. C'est toujours au près que c'est compliqué à faire marcher. Et donc, la pénalité qu'on prend au portant avec deux quilles, finalement, elle est très limite, parce que le potentiel au portant est plus lié au capitaine qu'au bateau. En réalité, soit vous portez le SPI par 25 nœuds, ce que j'espère que vous allez faire aujourd'hui avec François Gabart, si, à 25 nœuds. Mais sans ça, la plupart des gens en famille, en croisière, quand ça dépasse 15 nœuds de vent, le SPI, on hésite un peu. Donc finalement, la vitesse, c'est pas... En croisière, la vitesse, c'est pas réellement le potentiel du bateau, c'est le potentiel du skipper et de son équipage. Donc finalement, l'idée du Biki était vachement intéressante. Voilà. Après, moi, j'ai eu un RM 980 à l'époque, ça s'appelait, et j'ai choisi justement la version Biki pour une raison que, pas tellement pour l'échouage, parce que l'échouage, franchement, d'abord, j'aime pas aller embêter les baigneurs sur les plages, et je trouve qu'un bateau a rien à foutre sur une plage. Par contre, la facilité de stockage. Quand vous avez un bateau qui voyage, quand vous laissez le bateau pendant 8 mois à un endroit et que vous voulez organiser le coup à l'avance, si vous dites que vous voulez chercher une place à l'eau, bah vous ne pouvez pas trouver beaucoup d'endroits. Par contre, si vous dites, moi mon bateau, vous le posez n'importe où, il tient tout seul, et ben c'est beaucoup plus facile. Donc moi j'ai fait voyager mon bateau pendant 5 ans comme ça, tous les ans je le posais à un endroit, deux fois par an je le déplaçais, jamais été embêté. Et donc j'ai trouvé cet aspect-là super intéressant avec le biki. Voilà pourquoi les biki. Oh, ben, le bateau de demain, de toute façon...